Donc, Brahim Diaz, Hadart à l'Abrahim depuis assez longtemps. Le joueur, bien sûr, qui nous intéresse, il nous a toujours intéressé. Des bons joueurs, ça nous intéresse. Maintenant, comme je l'ai dit, dans le moment où si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas, ça ne se fera pas. Mais comme j'ai dit, l'équipe nationale, ça veut dire que tu es à 100% convaincu. L'équipe nationale a rattrapé, qu'on t'a rattrapé l'équipe nationale. Si de ces deux côtés, on n'est pas sur la même longueur d'onde, eh ben, les binationaux, Makéjiouch ou Kertaroliké Hébreu. Moi, ce qui me concentre, c'est aujourd'hui, c'est souvent les joueurs qui économisent, ou les qui diront le choix, Fhal Adli, Fhal Diop, Fhal Harit Qbel, Fhal Ziyech, Fhal Kamlin, Kertarol Maghreb ou la Hakimi. C'est des choix du cœur, comme je l'ai dit, et je reste toujours sur mon mode de pensée, même si les gens y pensent le contraire. Mais mon travail en tant que sélectionneur, c'est à chaque fois de voir un peu Tartar ou Tadar Malaba, Liandum Bahom ou la Imehom Maghrebia, Nchofo, l'état d'esprit Liandum ou Jbarni Labomana, ou Mni Shinhar ou la Chofto Brahim Diazana, ça veut dire qu'il sera convaincu de venir jouer avec le Maroc et qu'il donnera à 100%. Si vous ne le voyez pas, c'est que ce ne sera pas le cas. Donc voilà. Mais c'est un joueur, bien sûr, qui nous intéresse. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.